Attention, messieurs dames. Et salut tout le monde, c'est le Geekers de la GCV, est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, parfait, top. Alors, petit retard aujourd'hui, mais c'est pas grave, on enchaîne tout de suite. Désolé pour l'attente, nous sommes mardi, et le mardi c'est permis, le mardi c'est ravioli. Alors, ouf, on reprend tout de suite notre série, les Sims 4. On va couper ce putain de Walking Chicken, parce que ça fait un petit moment donné quand même qu'on l'entend, non-stop. Et on reprend notre partie Gaming Room. Je vous rappelle que, résumé les épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas suivi, nous étions en train donc de provoquer une petite romance entre As de Pique et Larcisse, un petit truc un petit peu sale, qui s'est terminé par de l'amour, et là maintenant ils sont un petit peu chafouins, tout ça. Et donc, là maintenant, ils ont emménagé. J'en ai marre. Donc, bam, tout le monde emménage dans la Gaming Room, d'un seul coup, bim, bam, boum, avec plein de fric, une montagne de fric, vu qu'on a flingué plein de gens pour avoir le fric de leur baraque, la famille gothique, elle est passée. Ils sont morts d'urine sur eux-mêmes. Et donc là, tout simplement, on est en train de faire la Gaming Room. Alors, petite notion pour vous. Ceux qui ont vu l'épisode précédent savent que nous étions en train de la faire. Et ben, on va continuer aujourd'hui, on va continuer de le faire. Donc c'est un épisode plus construction qu'interaction entre gens. Mon objectif, c'est de réaliser un bâtiment fonctionnel et qui ressemble un peu à la vraie Gaming Room. Voire même beaucoup à la vraie Gaming Room, comme vous allez le voir. Et qu'après, pour ceux qui ont les Sims 4, vous puissiez récupérer le fichier pour vous amuser avec, rajouter des cons, etc. et vous amuser. Alors, sans plus attendre, petite démo de l'étage supérieur. Alors, c'est l'étage supérieur qui est plus travaillé pour l'instant. Oup ! Voilà, donc en pleine journée, on est là. En pleine journée, on a donc ça. Pourquoi est-ce que je saute ? Je ne sais pas. En même temps, il y a un truc par-dessus, là, donc on peut peut-être faire quelque chose. C'est une très bonne note, ce que je me fais à moi-même, sauf que là, il va pas aimer que je fasse ça, je pense. Si, pour je ne sais quelle raison, il aime bien. Alors, il fait encore des barrières, mais... Why not? Alors, il n'y a pas ce petit bloc-là, hein, mais il y a un plafond. Il y a encore des problèmes avec les Sims, hein. Il n'aime pas forcément tout. Et c'est comme ça, c'est pas grave. On va partir du principe que c'est un bon début. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu réfléchir à la paix dans le monde, à tout ce genre de trucs qui évidemment nous tient beaucoup à cœur. Et donc, locaux de la Gaming Room. Locaux de la Gaming Room, ça veut dire les locaux de NitroServe ici, la salle d'entrée cuisine ici. Là, on a une petite baie vitrée et une salle de repos, entre guillemets, celle que vous pouvez voir avec les caméras. un peu spéciales qui regardent l'intimité des gens qu'on vous mettra à disposition. Là, c'est un couloir dépotoir avec beaucoup de câblage et compagnie. Et il me semble que ici, si c'est bien là, donc ça, pour l'instant, aujourd'hui, c'est encore un endroit où sont stockés des câbles, du matériel. Mais plus tard, ça va devenir un escalier pour descendre à l'étage inférieur. Et donc, on va le faire. Comme ça nous permettra de relier la Gaming Room par cet escalier. Ici, on a une première salle de stream. Et en noir, c'est l'isolation. Les murs, quand on peut le voir, bon, on les voit pas là. Quand ils sont en vert, c'est le green screen. Donc ça, c'est l'endroit en particulier où notre cher ami Nems stream son League of Legends. Ici, on a une autre salle de stream avec fond vert et isolation sur les murs, sur un mur en particulier. Et c'est la salle qu'utilise beaucoup Pindé pour les pains déjeuners. Là, on a la salle avec un mur qui est complètement blanc, aspect brique. Donc on rajoutera ça et c'est là où a eu lieu le lancement de Girls TV. On a un petit endroit local, technique, qui n'est pas dans un local, mais qui sert de régie justement pour cette salle, qui est plus un plateau qu'on va utiliser dans les semaines qui viennent, même plutôt.
Et là, on a une autre salle de stream encore qui est utilisée pour jeux vidéo, essentiellement, donc où il y a du Counter-Strike et où il y a aussi As de Pique qui joue beaucoup. Alors merci aux deux nouveaux qui viennent de me suivre, et j'espère que vous allez bien. Encore une fois, si vous avez des questions sur les locaux et sur ce qui se passe, vous n'hésitez surtout pas, vu que là, on est vraiment en mode posé, tranquille, à découvrir un petit peu ce qui se passe. Alors je vais rajouter exprès des lampes. Alors évidemment, il n'y aura pas tout ce que je veux pour que ça soit exactement comme la gaming room, mais on essaiera de faire au plus proche. Alors déjà, ce serait bien d'avoir des spots de lumière. Ouais, bon, il n'y a pas ce que je veux, c'est pas grave, on va trouver des trucs sympathiques, et notamment en termes de lumière, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose qui soit classe, et moi j'avais prévu de faire installer des trucs plus classe. Mais qui dit truc plus classe, ouais, genre ça, m'attacher au plafond, et ça va pas être possible, ça n'existe point. Obligé de le mettre au mur, voilà, ça ressemble à rien. Et je comprends pas pourquoi tout mon intérieur est aussi sombre, alors c'est peut-être une fausse impression qui est donnée par le sol, je pense à ça. Alors, on va mettre des... comme si on était dans un salon, plutôt des lampes ou des lustres. Et là, il y a peut-être moyen de trouver des trucs un peu plus coolos. Ouais, je pense qu'en attendant, on va partir sur des trucs un peu comme ça, même si c'est pas vraiment l'idéal d'un point de vue esthétique et tout ce que vous voulez, ce sera mieux que dalle, tout simplement. Il n'y a pas de vrais grands lustres qui descendent sinon. Hein. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on a ça là. Peut-être qu'en allant dans la catégorie éclairage tout court, on verra tout. Voilà, genre plafonnier. Oui, non, c'est ça, il n'y a pas grand-chose. Voilà, voilà. Peut-être en comédie, alors là, va te faire foutre. Le truc passoire, comme c'est moche, éclairage énorme, c'est moche ça. C'est complètement laid. Quelle idée de installer des trucs comme ça. Nope, nope. Nope, bon bah on va partir sur des trucs comme ça, c'est très basique. C'est pas forcément l'idéal. Mais à défaut de grive, hein, comme on dit dans le jargon. Alors ça va singer un petit peu l'éclairage qu'il y a dans ce couloir, vu qu'en fait on a des LED. Des diodes, qu'est-ce que je dis moi? Des diodes, des éclairages au plafond qui sont là pour marquer le sol en fait. Pour marquer le, comment dire, la sortie, on a des lumières qui sont allumées en permanence pour la sortie. Alors, on peut accéder à une moitié de l'étage. Oui, pour l'instant il n'y a pas encore de vrai calage entre tous, hein. C'est comme ça. Je vais mettre des plafonniers comme ça pour enfants, pour leur donner son impression comment ils seront cachés, et qu'on les verra pas, j'espère, pendant le jeu. Je commence à avoir des doutes. Est-ce que pendant qu'on joue, on les voit? Si, on les voit, en fait, ces connards. Ouais, non, c'est vraiment naze. Autant pour moi. Au revoir. Bah, on va continuer, hein, on va continuer avec... Mais seriously, quoi, ils pouvaient pas faire des trucs un peu normal, quoi. Chose normale. Non, c'était trop demandé, Motherfucker. Donc on va mettre des trucs comme ça un peu partout. C'est pas la même chose que dans la gaming room, j'en suis conscient. Mais là, faut faire avec les moyens du bord, avec ce que nous proposent les chimches. Alors là, il y a un spot dégueulasse, ça c'est très drôle. Donc je le mettrai et je vais vous montrer pourquoi il est dégueulasse. Et là, on va se faire une autre orangée. Alors c'est un petit peu différent, là c'est normalement des néons. Mais vu qu'on ne peut pas avoir de néons dans ce jeu, qui contient 10 000 types de lampes, sauf des néons, parce que bon, je veux dire, ce sera un peu con de singer la vraie vie, hein, putain de mongolien. Et ben on fera sans. On fera sans, et puis voilà. Et puis c'est tout, hein, comme on dit. Alors, en lampe comme ça, il me faudrait une imitation à la con dans les cinémas, tu vois, genre un spot de cinéma, mais je crois qu'il y a ça si on débloque comédie. Et comédie, nous n'en avons pas moins. Donc on va faire une lampe sur trépied à la con comme ça, c'est un peu ce que l'on a dans ces magnifiques toilettes, vu qu'on n'a pas encore d'éclairage. Donc dans les toilettes c'est génial, tu entres et t'allumes une ampoule comme ça à la con et voilà. Il n'y a pas d'accès au stream. Ah là oui, là il manque encore des portes et des trucs, ne vous en faites pas les amis, ça arrive. Waouh, 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 waouh. Donc, les portes, on a besoin de portes supplémentaires un petit peu partout. Vu qu'il y en a plein qui ont piège, nous avons ici une porte, nous avons ici une porte pour les toilettes, nous avons ici une porte pour ça, bon, on a tout.
qui dit qu'on avait rien. On a tout, en fait. C'est à peu près comme ça, hein. C'est-à-dire on peut vraiment rentrer directement dans la salle de stream où il y a Nems et le faire chier assez facilement, lui agiter sous le nez des KFC et puis elle est là, mon dieu, je suis gros, voilà. C'est assez drôle. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre en mur? J'avais dit qu'ici il nous fallait un mur de briques blanches. Mur de briques blanches, c'est ceux qu'on a fait main avec, avec nos chers amis pour la GRTV. Alors. Je peux pas avoir juste des briques, hein. Voilà. Façade en briques. Voilà. Alors on a plus... Ouais non. C'est censé être beaucoup plus blanc que ça quand même, mais c'est pas un truc comme ça qu'on a mis en place. Fantastique brique. Ouais génial. T'as pas une couleur blanche du coup de ça? On va mettre ça parce que... Parce que voilà, on a... c'est censé être le mur de briques blanches que voilà, vous avez tous vu. Alors, meubles, point de vue meuble, il y a plein de trucs encore à voir là, on a un canapé à mettre ici, un canapé gris que Monsieur Pindé a défoncé. Non, c'est tout le monde qui a poussé dessus, voilà, on va pas dire que c'est la faute d'un Pindé, il va encore pleurer, tout ça. Mais c'est effectivement un fauteuil comme ça, qui est légèrement gris, comme ça. Qui était placé ici, et qui que je peux pas placer autrement, donc ce sera comme ça. Il y avait un petit fauteuil à côté qui est... on va voir. Qui est un peu comme ça en fait, qui est un peu comme ça moche. Ouais, moi j'étais pas pour, hein, c'est pour ça, je voulais qu'il soit différent. Mais il est un peu comme ça et je crois qu'il est couleur blanche, je veux pas dire de conneries. Eh oui. Dis-moi, le petit fauteuil qu'on a, il était de quelle couleur dans la Girl Girls TV? Il était gris clair. Gris clair, merci meuf. Mais oh, merci. Non, de rien. Si, merci. Gris clair. Ouais, voilà. Ça, c'est blanc. Ça, c'est machin. Et ça, c'est bleu-gris. Et ça, c'est gris tout court. Ouais, on va partir sur... Non, ça, c'est vraiment l'air. Arrête donc. On va partir sur ça et puis yolo. Hein. Voilà. Alors. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont là. Alors, alors voyons voir, comme prévu on fait une petite pause pub dans 5 minutes les amis, d'ici là on va continuer d'enchaîner sur ce magnifique truc. Ouais, bah, alors là il y a bien un mur qui est isolé, ouais, là il n'y a pas d'autre isolation, là il y a bien une isolation contre ce mur, le truc blanc, les toilettes c'est encore complètement à la route, c'est avec des plaques décollées. Alors on va maintenant s'occuper encore du placement. On va mettre les ordinateurs déjà, ça va tout de suite donner un petit côté, voilà. Je suis en train de me dire qu'ici il y a une armoire, avec une magnifique petite affiche que j'avais offerte. On va voir, bureau, rangement, bibliothèque, alors une grosse Ikea, sa mère, carré. Si j'en mets deux, ça donne quoi l'une à côté de l'autre? Est-ce que ça peut le faire? En mode blanc, de chez blanc. Parce que là, c'est des Ikea Basicos Muchos. Ouais, c'est... Ouais. Bon, on va partir sur ça. C'est un peu ça dans l'idée, mais là, il y a trop d'espace tout autour. Là, au moins, ça permet d'en mettre d'affilée. C'est ça qui me fallait. Je me dis, je vais tellement plus vite en faisant ça dans les Sims 4 que dans les plans en 3D quand on avait prévu les trucs. Ordinateur invisible. PC puissant tout en un. Alors, ils ont des... on a des mecs et des trucs, donc soit on passe des choses comme ça, soit on fait ça. Et je me dis que ça, c'est peut-être pas mal, parce que bon, le clavier est dégueulasse. Incassable. Le choix entre les deux. Ça, je pense pas que ce soit très réaliste. Bon, de toute façon, ça l'est pas, hein, mais... En fait, on a des écrans mais monstrueux, là, Nitro, on a des écrans monstrueux. Il y a des gens qui arrivent, qu'est-ce qu'il fait? Je fais les locaux de la GR, mon ami, les locaux de la Gaming Room. Ouais, ça ressemble quand même plus à ça. Ça ressemble plus à ça. Donc on va en claquer. On a Julien, on a Nico. Oups. Si. Là, on a Marie qui est donc là. On a Sam, on a Danny, Harry, la franc machin qui sont là. Et Sam ici. Voilà, donc là, il y a du monde. Et bientôt votre serviteur qui sera quelque part là, je me trouverai une place, quitte à tuer des gens. De toute façon, j'aurai pas le choix, je vais être obligé un petit peu de faire ma place et de tuer des gens pour l'avoir.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ouais, pour l'instant, il n'y a encore rien d'autre de spécial ici. Donc là, c'est vraiment Nitro avec des murs blancs. C'est assez, assez basique. C'est assez spécial, mais c'est comme ça. Ici, je sais qu'on va... Alors, on va mettre des rangements un peu basiques parce que c'est simple. C'est un endroit à bordel. Autant le dire, tout de suite, c'est un endroit avec du bordel. Tout le principe d'endroit à bordel. Donc là, c'est, il y a vraiment plein de merde, là. Hein. Ça, c'est un endroit de stockage dégueulasse. Dans notre salle, là, on a une armoire où on met les certains lots. Et notamment, on a tout le matos Rocket qui est situé ici. Attends, j'espère que je suis pas en train de vendre des secrets d'état en mode... Oh mon dieu, t'aurais pas dû dire ça, Doc. Et bah, quand bien même, je dirais... Ah, et ben, qui c'est qui m'a prévenu? Et ben, personne. Alors voilà, je m'en fous. Franchement. Bon, on va faire ça quand même en mode... Étagère noire, Ikea, Basicos, c'est pas exactement celle-là, mais c'est pas grave. Si est-ce qu'il y en a? Il y en a pas. Il y en a pas. Là, je sais qu'il y a juste du bordel qui est entreposé. Ça paraît pas mal, ça paraît pas mal pour un début. Alors, ça gère Sims, après on impare et enfin un CSGO. Allez, quelqu'un qui adore ta voix, chérie. Bah c'est très gentil, elle est en train de se remettre à Don't Starve parce qu'elle va faire des lives Don't Starve. Qu'est-ce que tu fais avec ta baguette? C'est quoi? C'est quoi ta baguette? En gros là je suis en mode aventure. Ouais. Et je suis dans le monde de l'hiver intellectuel. Et le problème c'est que passer des obélisques. Du coup il faut que j'ai une santé mentale de moins de 30. D'accord. Et donc c'est... D'accord. Bon voilà, je voudrais voir du Don't Starve, voir comment faire pour tenir longtemps, à l'inverse de votre serviteur qui est incapable de tenir très longtemps. À l'inverse du coup. Eh bah écoutez, vous pourrez voir ces lives. Commençons dès samedi sur Girls TV. Alors, je mets volontairement des trucs comme ça, sachant que ces gros sacs ferment en permanence. Hein. Ah mais on peut les mettre dehors. Mais c'est génial ça. Bon alors c'est, ouais bon là c'est en bois, mais il faudrait qu'il soit en métal, parce que c'est en métal qu'on a on a ces trucs à l'extérieur, noir évidemment, et évidemment noir évidemment je le fourre au cul, hein, ce serait trop facile si on avait tout ce qu'on voulait dans les Sims. Là on va en mettre partout parce qu'il y en a effectivement partout. Vous avez vu que le fait d'avoir reloadé la partie, j'ai plus les bugs. Oups, déplacement. J'ai plus les bugs graphiques de la fenêtre qui parfois était à moitié cachée par un mur en mode incompréhensible quoi. Donc les Sims encore buggy. Encore buggy. Ah! Ah! Mon dieu! Voilà, donc c'est à peu près ça. C'est vrai que c'est pas mal là. C'est pas mal. Alors normalement c'est vraiment des lamelles noires qui est à l'extérieur, mais c'est indus quoi. Hein. Indus, indus. Hop. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Bon, on a ça, c'est le principal. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Alors sachant que ça c'est un mur en verre, mais ils ont pas de mur en verre, c'est con là. Hein. Ils ont que des murs en mur. Je pense que ça aurait créé trop de bugs dans le jeu d'avoir des trucs transparents, et voilà. Bah écoutez, on a le début qui est pas mal. Qu'est-ce qui nous manquerait? Ouais, des fenêtres qui font toute la hauteur, mais c'est parce qu'on a... Ah, tu veux dire à la place d'une salle? Un mur en verre, tu veux? Ouais, mais c'est pour la séparation, tu vois. Je suis pas sûr. Parce que j'ai pas... J'ai des portes. Des portes immenses. J'utilise des fenêtres. Fenêtre en fenêtre que la lumière soit. Ah, c'est vrai que je pourrais faire ça sur toute la longueur. Et en mode fenêtre que la lumière soit encore plus là. C'est pas mal. C'est pas mal. Il faut juste les mettre en... Alors, ils ont choisi un gris. Moi, j'étais contre. Putain, j'en profite pour clasher là. Ça clash là, ça clash. Moi, j'étais contre, tu vois. Voyons voir. Je peux pas le mettre ailleurs sur le... Si, je peux le mettre ailleurs sur le mur. Bon, c'est censé être toute la hauteur, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a ce genre de truc là sur la gr. Sur la gr. Et je peux pas faire ça, ce serait trop évident.
Ce serait trop simple, ce serait trop facile. Alors fuck my life, alors ouais je pourrais peut-être monter ça un cran et espérer mettre encore en bas un truc, mais je crois que je peux aller me faire foutre. Voilà. Comme assez souvent. C'est pas grave, ça ressemble mieux là. Ça ressemble mieux déjà. Par contre ce coin là est terriblement sombre et c'est parce que ça c'est censé être aussi en vitre en fait. En fait. Ça c'est de la vitre ici. C'est de la vitre sur toute la hauteur et c'est un peu compliqué à faire. J'ai pas trop le choix, on va faire comme ça. Ça c'est un mur. Il y en a un comme ça, il est peut-être plus petit. De toute façon je peux en mettre encore un là pour faire genre. Est-ce que c'est la même couleur? Non, je veux bien te vérifier. Mother fucking fucker. Voilà. On a donc ici au minimum encore une ou deux, sachant qu'après c'est vraiment escalier. Bon, là on ressemble. Là il y a un truc qui ressemble à quelque chose. Un truc qui est le machin du bidule. Ça fait un machin chouette, un truc. D'autres on en a. Si on a là, évidemment, là c'est une très bonne idée, machin. Hop. Ça c'est cohérent avec la vue entre la régie et la salle. C'est parfait ça, c'est parfait. Salut Doc, tu viens bien d'Alsace. Yo Tolvec. Total. Yo. Scut. Bien. Bien, c'est l'heure de la pause maintenant. Donc on va faire la petite pause. On se retrouve dans 5 minutes, messieurs dames, pour continuer, et cette fois-ci pour faire un lien entre les deux étages, puis pour essayer d'arranger un petit peu tout ce bordel-là. Alors à tout de suite, gros bisous.
Et salut tout le monde, c'est la Mixer de retour, bonjour à mauvais tour, j'espère que vous allez bien. On est toujours sur notre petit live spécial fabriquer la gaming room. Alors un petit bonjour big up à ceux qui sont sur YouTube et puis qui regardent cette vidéo. Salut à tous, n'hésitez pas à partager pour vous y abonner, comme ça j'aurai plein de monde et comme ça je pourrai vivre dans la pute, les coques. Ouais, je pourrais nager dans les putes et quoi, sniffer. Non, je pourrais sniffer des putes. Ouais, non, parce qu'on dit sniffer la coke et baiser des putes, voilà, et baiser de la coke, voilà, sniffer des putes et baiser de la coke, ça me paraît bien, ça me paraît pas mal. Donc voilà, on est sur la grue et on est pas mal, en fait on est assez proche de la réalité ici, donc là maintenant on est encore en phase d'ameublement pour les postes de stream, sur lesquels on va mettre des bécanes qui pourraient être des trucs du style ordinateur top secret, méfait, base de données, traitement texte, voilà. C'est plutôt des PC tout en un, voilà, un peu la même chose, donc on va rester assez basique avec, même s'il y a des écrans supplémentaires. En fait, généralement, vous avez toujours ici clavier et deux souris, au moins deux écrans supplémentaires si c'est pas quatre écrans en tout, et derrière encore une autre tour, donc il y a une, deux tours PC pour pouvoir gérer tout le bousin. Alors là, évidemment, on peut pas vraiment le faire comme ça, mais c'est l'idée. On va mettre un ordi ici, même si celui-là a tendance à se déplacer pour des besoins de régie pour l'instant. On en a une grosse ici avec du matos, on en a un gros ici avec du matos. Et c'est tout niveau ordinateur, on va dire. Parce que le reste des écrans, comme dit, on a juste placé l'écran télé qu'il y a dans cette petite salle. Et puis voilà, salle avec des verrières et tout. Donc on n'est pas trop mal, on n'est vraiment pas trop mal ici. On va faire l'escalier pour aller en bas. Et enchaîner sur le reste de l'aménagement de cette chère gaming room. Alors, étage du bas, on a donc alors des mecs en train de chier, mais ça c'est pas le débat. Merci Guillaume Yolo qui a décidé de m'offrir plein de jeux. 3 plus un quatrième parce qu'il peut pas me l'offrir tout de suite. J'en demande vraiment pas tant, mais c'est très gentil. Alors, on enchaîne. On va tout faire en mode carré parce que c'est assez monolithique la gaming room. Je suis en train de dire là on est en hauteur maximale alors que ce serait même plutôt moyen. Est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait. L'avantage qu'il y a c'est que l'escalier termine bien avant. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. De toute façon, voilà, si ça ressemble assez. On va mettre donc en théorie ce genre de fenêtre est censé être placé correctement. Voilà, hein, mais c'est pas le cas. Je vais dégager tout ce bordel, ça nous servira pour faire le jardin tout à l'heure. Enfin, le jardin. Pour placer de la verdure devant, hein, parce que vous imaginez bien qu'il n'y a aucun gars de la gaming room qui est capable de jardiner quoi que ce soit, qui a la main verte ou qui en ait tout simplement quelque chose à carrer. Donc, ça viendra. Un jour, peut-être. Quand on ne vivra pas bien du tout et qu'il faudra faire nous-mêmes de notre nourriture pour se nourrir l'hiver. Suite à une éruption solaire, bon ben voilà. On cultivera notre propre petit jardin à la gaming room. En attendant, on laisse Monsieur Esclave se démerder avec ça. Hop. Alors, je déplace tout ça un petit peu en espérant que ce soit suffisant. Ça, je trouve ça assez moche et je me demande s'il n'y a pas moyen que j'harmonise un petit peu toutes les fenêtres. Parce qu'elles sont espacées plus ou moins de la même manière. En fait, cette salle, elles sont vraiment grandes, ces salles. Mais elle mériterait d'avoir les fenêtres un petit peu décalées, quoi. En mode, elle mériterait d'avoir les fenêtres là. Et donc, pour lui, ici. Mais je peux pas la mettre en vis-à-vis après, donc on va rester sur ça. Ou agrandir la salle. Quel dilemme! Quel dilemme. Et là, évidemment, je peux pas avoir d'entre-deux, sinon ce serait trop facile. Là, pareil. Oh, ça m'ennuie. Donc, il y a une case. On va faire une case entre chacun, et puis voilà. Et évidemment, là, ça ne marche plus. Comment ça me fait chier tout doucement tout ça? Évidemment, je peux la mettre qu'en hauteur, mais pas en largeur, comme je veux. C'est génial, c'est la vie. Bon, ben, on va rester comme ça, et puis voilà. Hein? Très bien. C'est très bien. Fuck you very much. Et on vire ça, et puis on dit que ça suffit, quoi. 2, 2, 2. Oh, c'est bien. C'est très bien. Celle, tac, 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 les autres sont bien en face. Eh, mais c'est presque nickel au smooth chose.
Alors il n'y a pas de fenêtre ici, il n'y a pas de fenêtre ici sur ce pan de mur là. Et là il faut juste qu'on fasse une, deux, tac, et une, deux. Ah, il y a juste celle-là qui est... Si, celle-là elle est calée comme une merde. Je m'en souviens, elle est calée comme une merde. Genre au bout du mur et tout. Donc voilà. Là on est pas mal, là on est pas mal, là vous avez messieurs dames, la gaming room. Applaudissez-vous, bravo, merci. Salut Speed Gamer, tu vas bien? Salut ceux qui me regardent, on est 69 alors qu'on a commencé à 8, alors merci bien. Shinane qui a un trou dans son micro-ondes et qui espère devenir un super héros. Bah écoute, tu vas devenir Super Steak ou Super Meat Boy. Ça dépend du temps de cuisson, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce mur-là, il est plein. Là, on a... Alors si, on a quand même trois fenêtres ici. Là, c'est des fenêtres tout le long, là. Donc on va garder ça. On va faire le lien vers le bas avec un escalier ici, qui pour l'instant n'existe pas, mais est en cours de réflexion d'aménagement et plus si affinité. N'importe quoi. Hop, escalier. S'il te plaît. Et évidemment, je peux que le faire aller vers le haut. Il faut que j'aille en bas pour le gérer. Ça me fait chier, ça me fait tellement chier. Tout ceci m'ennuie profondément. Oh la vache. C'est pas encore là, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est en titre de repère. Ça deviendra des chambres et compagnie. En attendant, c'est juste histoire de pouvoir étirer tout le bordel et claquer correctement nos escaliers. Donc on a dit qu'il nous fallait le même escalier que dehors. Ça, c'est par principe plus qu'autre chose, tout simplement. Même si on pourrait prendre autre chose. Et donc l'étage du bas, il faudrait qu'on puisse le faire. Alors je vais le mettre là pour le test et voir où il apparaît. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, c'est mieux si on le mettait dans l'autre sens. Mongolien. Je veux pas croiser des murs. Oh mais Taras. Je peux faire ça. Voilà, je peux faire ça. Faire ça. Voilà. Patch. Donc ça, c'est un peu le genre d'escalier qu'il va y avoir. En cours de réflexion et qui, pour l'instant, est une salle à ordinateur. Donc c'est comme ça que j'imagine. Évidemment, il n'y a encore rien de validé. Ce qui veut aussi dire que il ne peut pas y avoir ces murs de cette manière-là. Ça doit être autre chose. Alors ici, ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a une sorte de méga salle là qui était les locaux de Nitro et qui vont devenir les locaux de Girls TV. En attendant, pour les besoins de la gaming room virtuelle, bah on va faire que des pioles, que des endroits pour vivre. Parce que l'endroit de vie, c'est ici, avec cet endroit-là, donc ça c'est la cuisine, ça c'est l'endroit pour manger, etc. Il va nous falloir une salle de bain, juste une méga salle de bain, chiat, il y en a déjà en haut, mais on peut très bien en imaginer un autre, et puis surtout plein de chambres. Donc ça va être des endroits avec des chambres, ici, voilà, plein de chambres. Voilà! Super steak au poivre. Salut Lubian. Alors. Chaud. Ah, mais tellement bon. Pourquoi j'ai tellement de merde comme ça, moi, dans mon inventaire? On va savoir. Bon. Alors, j'ai pas envie de me faire chier. C'est vrai que j'ai un endroit avec, là, des figurines. C'était pour commencer à farmer les figurines. Il y en a pas aujourd'hui. On va les mettre dans, là. Genre, à un étage, là. Dans le salon, pour le côté jovial de la chose. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a... Enfin, si, il y a Groom le chien qui attend là en bas. Tiens, je vais voir dans les décorations s'il n'y a pas... S'il n'y a pas une statue, une fausse statue de chien. Pour Groom le chien, que j'ai chiné. Voyons voir. Décoration dégueulasse, c'est où? Extérieur? Non, j'avais trouvé ça où? J'avais trouvé ça dans... Déco... Sculpture peut-être. Alors il y a des cochons, il y a des machins. Il y a des bustes. Des bustes à la con, des lions. Ah c'est dommage, il n'y a pas de chien. Hein. Il y a le lion, mais c'est pas... Mais... Il y a un coq dégueulasse. Bon, il y a plein de trucs moches, hein, mais il n'y a pas encore ce que je veux. Pas grave. Alors, on va faire vite en bas et tout virer, en fait. On s'en fout, vous avez besoin de tout ça. Monsieur Esclave, désolé pour toi. On va mettre les mêmes fenêtres
en haut qu'en bas, et on va dessiner nos salles en fonction de ça. C'est un peu comme ça qu'on pourrait faire dans la vraie vie. Il y a plusieurs moyens de faire dans la vraie vie. Et alors déjà ici, les toilettes, c'est bien, mais en fait non. Ah ok, il était en train de chier, il s'arrête immédiatement, il avait encore le caca au bout. Il n'y a pas d'évier, aujourd'hui, il y en a dans la cuisine. Pas de miroir non plus, ce seront des choses qui changent là. Alors, cet endroit-là ne convient pas. Il faut donc un grand espace au centre pour pouvoir tourner autour. Ça c'est certain, ça risque de faire un peu comme ça. Et on pourrait très bien imaginer une autre salle. Des salles ici d'ailleurs, avec pourquoi pas des... La logique voudrait que l'on ait, pourquoi pas, toilettes, douche, salle de bain ici, et puis le reste, que des chambres. Voilà. On va essayer de faire des trucs un peu simples. Donc là, encore une fois, c'est complètement inventé. Là, j'invente complètement les fantasmes de ce que pourrait... Merde, ça doit rester là, c'est la magnifique chambre de... Oh non, zut, non, 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 zut, non, 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 non. Ouh, désolé. Ça, c'est la magnifique chambre de Dap. C'est Dap qui est en rose. Alors, il faut qu'on change plein de trucs. Déjà, si je déplace ça... Non, il bronche pas. En termes de porte, normalement, il y en a une énorme là aussi, hein, on va dire. Donc, il faudra qu'on fasse une sorte d'entrée. Ce sera pas dans une chambre, qui sera une sorte de salle normale, du coup. On va partir du principe qu'il y aura une sorte de salle normale ici. Encore que elle est plus là en fait. Donc on va faire une chambre comme ça. Alors je ne sais pas comment faire pour redessiner vraiment l'aspect des chambres en entier. Donc on va faire ça de manière très YOLO-esque comme ça. C'est bleu! Donc ça, ce serait une sorte de chambre immense qu'on réduit un petit peu. Oh là, là on peut faire ce qu'on veut, d'accord. On peut même faire comme ça du coup. Yep. Voilà. Ici on aura une entrée. Si je fais ça, évidemment, il va pas aimer. Donc il va falloir que je fasse... Enfin, que je puisse diviser ce mur en fait. Et je sais pas comment faire pour scinder un mur et rajouter de la pièce. Ça, c'est la grande question. De l'existence. En mode dessin, maintenez malheureusement pour basculer l'outil pièce. Hein? Hein? Oh, ok. Ok, donc là maintenant on a bien deux espaces avec la petite chambre qui sera là. Ceci, c'est... Alors, il faut qu'on fasse une seule pièce de ça. Donc a priori maintenant... C'est le cas, on a une seule pièce, donc ça c'est bien notre couloir aux smoochos. Bon. Donc on s'était dit qu'une salle de bain, ce serait quand même pas déconnant. Ce serait pas déconnant d'avoir deuxième toilette en mode, ben si ça c'est toilette, c'est bien. Peut-être diviser tout simplement ça. Diviser pour mieux régner. Hop, ça c'est suffisant pour faire toilette, salle de bain. Et comme je suis un putain de maniaque, on va le faire aligner par rapport à l'autre chambre, sinon je suis pas bien. On va, cette fois-ci j'ai besoin d'une porte, on va tout de suite mettre la porte à l'extérieur qui est censée être une grande porte, comme ça, noire, de métal. Et évidemment quand j'ai une porte noire, je peux aller me brosser grave, parce que voilà, ils connaissent... Que des portes à la con, enfin, voilà. Ou du bois. J'ai rien à foutre, moi, du bois. Seriously, quoi. Ouais, voilà, couleur bois. C'est génial. C'est parfait, les mecs. Hein. Merci, merci beaucoup. C'est juste dégueulasse. Sérieusement, tu peux pas avoir une porte comme ça chez toi. Arrête donc. Ouais, donc, sois sérieux deux minutes. Donc, voilà, voilà, mais avec des poignées de merde. Ah, putain. Sims, tu me fais chier. Me fait méga chier. Bon. Alors, oh là, il y en a plein qui viennent de me suivre, là, c'est la déferlante. C'est quoi ma marque de café? Là, pour l'instant, je suis en marque repère à la con, parce que j'ai la flemme de me moudre moi-même mon café avec mon super système pour faire du café par Typhon, qui est
juste trop top. Alors merci à Spidgeez, Lydian, Queen Margot et Mysterion63 de me suivre, c'est bien, merci, ça flatte mon petit ego délicat. Ouais, les portes, tout ça, bah je vais pas me faire chier, je vais reprendre les mêmes systèmes à peu de choses près. On va faire patch, pooch, on va duplicos ceci pour, voilà. On pourra toujours améliorer ça, là je vais déjà essayer d'avoir un truc fonctionnel et je pourrais toujours affiner. Alors ce couloir, oui les fenêtres, j'avais dit les fenêtres. Très important les fenêtres, les fensters. Les fensters. Les fenêtres. Hop, en mode. Voilà, et est-ce que je peux, dans la foulée, ah oh, c'est parfait, les sélectionner. Je rappelle que ça, ce sont normalement des stores extérieurs, encastrés, qui nous permettent d'avoir de la lumière. Non, mais surtout qui sont assez solides et résistants, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les stores et compagnie. Alors, l'étage du bas, on a par contre des fenêtres partout, à l'instar de cette façade-là qui n'en possède pas. Donc on va en mettre à 2 et à 2, donc normalement là, pareil sur le fond. Ici, est-ce qu'il y en a? Je ne crois pas. Non, il n'y a rien là. Même ce coin-là, je crois qu'il n'y en a pas en fait. Alors. Papa, palapa. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je m'amuse à faire le nazi. Je m'amuse à être carré dans ce que je fais. Je prends beaucoup de plaisir à ne pas. Enfin, à faire des trucs comme ça. Hein. C'est comme pour Kerbal Space Program. Moi, je kiffe assez de. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup. Prendre du temps pour faire les choses, pour faire les trucs au carré, au pixel près, autant que je le peux, autant que je le souhaite. D'ailleurs, du Kerbal, on en refera, parce qu'il y a plein de modes qui sont sortis, qui sont tellement de la balle, et on fera enfin des bases spatiales, mais on en verra au firmament, là. En plus, j'ai vu des mecs, ils ont fait des vidéos en mode, ils se sont fait des robots dans l'espace, tout ça. Alors, en cheatant, hein, ils se sont amusés à, en un clic, à tout envoyer en mode easy peasy sur la Lune. Dans l'espace, pardon, en éditant les fichiers et tout. Moi, je suis quand même plus carré et professionnel et consciencieux que cela. Évidemment, je ne laisserai pas... Je ferai ça à la main, moi, monsieur. Je ne m'amuserai pas à éditer les fichiers pour envoyer des trucs dans l'espace. Je refuse. Et merci, Easter Bergeron, qui a essayé de me suivre. Bryce Reloaded qui arrive. Salut, Bryce Reloaded. Ouais, à chaque fois je repense ma super blague avec la fée qui vient de Bretagne, tout ça, la fée Brest, tout ça. Pff, c'était nul, c'était tellement nul. Pourtant je ne peux pas m'empêcher d'y penser, je pense que les gens n'ont pas assez rigolé à cette blague. Voilà, tout simplement. Alors, ouais, refaire la gère et sachant que l'étage du dessus, du dessous, je vous rappelle, n'est pas la même chose. Il y a des similitudes, des similarités, des trucs qui sont plus ou moins la même chose, qui ressemblent aux vrais locaux de la vraie life, mais c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas pour tout. Voilà. Typiquement, ça, il y a des locaux qui existent, mais aujourd'hui, c'est rien, c'est pas utilisé à part les cet endroit, cette coupe-là à gauche, qui est l'ancien locaux de NitroServe, qu'on a déserté pour créer ces locaux ici. Au sein même de la GR. Et donc là, ça a été déserté, mais là maintenant, on est en train de les reprendre pour faire en sorte que le plateau qui a été utilisé ici pour la Girls TV serve aussi pour Gaming Room, mais que du coup, ce plateau serve à Gaming Room, tout ce que vous voyez là, et que du coup, en bas, on ait un petit peu de Girls TV quand même, avec un petit coin pour elle, parce que c'est mieux, parce que c'est quand même plus sympa d'avoir un espace aussi féminin sans avoir à vociférer pour se faire entendre. Voilà. Alors on a nos petites chambres et il y a des chances que l'on en crée deux ici. Voyons, elle fait combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je savais bien qu'ici c'était un peu plus grand. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des petites chambres, il y a des grandes chambres. Des chambres doubles. De toute façon, on a combien de cons là? On en a un petit paquet. Voyons voir. Bon, il va y avoir du couple, hein. Il va y avoir du couple, donc je pense qu'on va pas diviser et subdiviser trop les chambres, on va les laisser faire leur petit nid d'amour.
Et on va en profiter pour, ben, peut-être que ça va devenir de la grosse chambrosse. Du gros bésodrome à as de pique et l'arcis, tu vois, dans l'idée. Ouais, ça va dire. On va peut-être enlever quand même les portes. les portes entre les deux, parce que bon, ils sont pas peut-être. Enfin, après, ça c'est leur pratique, hein, mais. Je me dis, ils ont peut-être pas forcément envie de partager leur concubin, leur concubine. Alors les portes, on les met en vis-à-vis, parce que voilà! Bon, on a déjà toutes nos portes, c'est bien. On va faire salle de bain. Salle de bain, et on devrait être. On a pas mal de choses de faites déjà, hein, mine de rien. Alors, merci Mr. Friday qui vient de me suivre! Alors, à titre d'info, pour ceux qui suivent la série sur Gaming Room, il y a Dap qui a fait une super vidéo satirique sur moi parce que c'est une petite personne qui n'a pas de créativité, mais qui est quand même très drôle, hein. Alors évidemment, il me dépeint comme quelqu'un de hautain, tout ça, mais c'est tous de la pure jalousie, je veux dire, à part pour les muscles, tout le reste, ce sont les falaises, que dis-je, une satire de bien piètre facture, mais il fait quand même une vidéo qui est très marrante, et où il refait les gars de la GRTV les uns après les autres. Alors moi, évidemment, tous les gars de la GRTV, je veux aussi les mettre dispo, hein, donc As de Pique, mais qui est mieux quand il a sa tenue à la con, et Elarslip, qui est, voilà, qui est vert, tout simplement. Vous avez notre ami Dap, quand il fait pas caca, qui est là. Voilà. Regardez comme il est réaliste. On a Monsieur Esclave, on a normalement Pindey et Nems. Bah voilà, ils sont là, ils faisaient des trucs dans les toilettes de Monsieur Esclave. Pindey et Nems. La tristitude. Donc ça, c'est des gens que je mettrai disponibles pour Sims 4. Je sais pas si vous pourrez retrouver ça avec DocMixer, mais je vous donnerai les liens s'il y a besoin de mettre un lien ou quoi que ce soit. Et pareil, pour les locaux, enfin, je les mettrai à disposition. Alors, pas pour que vous puissiez préparer une invasion barbare avec des échelles et tout, et de l'huile bouillante et un cheval de Troie, mais plus pour que, si vous avez jamais envie, à un moment donné, de retrouver ça et de vous amuser, de faire des scénars à la con pour envoyer des screenshots et tacler les streamers, bah, ça me ferait beaucoup plaisir, ça me ferait beaucoup rire. Donc, l'objectif là, c'est de faire ça. Et après, je pense qu'on retournera sur les jeux, parce que j'en ai une petite plâtrée que j'ai hâte de tester, avec grand plaisir, évidemment, toujours là, lui. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je crois. Donc en tout cas, c'est un peu l'objectif, c'est de faire ces locaux, et après vous pourrez en faire ce que vous voulez. En tout cas, je l'espère. J'espère que ça vous fera marrer autant que moi. Alors, on va quand même essayer de prendre des murs, de rester cohérent, donc on va prendre de la base. Alors pour l'instant on reste très basique et après on va changer de ça. Ah non, les couleurs des chambres, non. Encore que ça changera. Allez, ça changera. Allez, on est sympa, ça changera. Les chambres, ça changera de couleur. On va faire la petite salle de bing. Alors salle de bing, est-ce qu'on a des baignoires d'enculés? Alors il y a des baignoires à remous de luxe ou de luxe jet set à la con, quoi. J'aime bien la triangulaire. Ce sera pas forcément méga utile, mais voilà. On a des douches pour aller plus vite, et là il y a une double bonheur. Soulagement du stress, de l'inconfort, hygiène. Je pensais que ça allait être soulagement tout court, genre une douche dans laquelle on t'autorise à faire pipi, voilà, on t'a appris ça étant gamin, bah non, tu peux faire ce que tu veux. Patch, voilà. Ah mais c'est une douche baignoire, quoi. C'est le truc jamais pratique. Le moins pratique au monde, personnellement. J'ai eu ce genre de truc, mais alors dès que tu t'approches un peu du bord, tu glisses, tu te pètes la gueule dans le truc, enfin voilà, c'est une horreur, une atrocité, une abomination. Les gens qui ont fabriqué ça devraient mourir, s'ouvrir les veines avec une cuillère. Chauffer à blanc. Alors, on va leur claquer des miroirs énormes, histoire qu'ils se voient en train de se doucher, de faire caca et tout. Voilà, il n'y a pas spécialement... comment est-ce qu'on peut améliorer ça sinon? Amélioration. On va faire un endroit à caca, regardez ça. On va être bien. Là, je dis ça avec avec une petite voix et tout, comme si j'étais trop fan de faire caca, mais il faut arrêter un petit peu, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire un couloir et des toilettes en fait, en vis-à-vis. Parce que là, il suffit que je fasse. Ceci, c'est une affaire qui roule. Regardez ça. On va prendre
cette porte bleue, la caler ici. Et là maintenant on va faire plein de petites toilettes. Comme ça ils pourront tous faire caca en même temps. C'est génial, ils pourront se passer des notes et tout, faire à travers les murs, c'est quand même la grande classe, la grande sauce. On va prendre, bah voilà, oh il y a des portes de toilettes, oh c'est génial, oh là là, c'est tellement bien fait les Sims. Regardez ça, cette perfection. Et du coup, on ne peut pas aller dans la salle de bain parce que fuck my life. Donc on va faire comme dans la vraie vie, c'est-à-dire généralement il y a toujours une chute pour les handicapés, même si là on sait que tous les streamers sont handicapés, on va faire comme ça. Et là ça devrait être jouable. Voilà. Donc, ça s'est passé complètement gratos cet insultant. Personne s'est posé la question. Blah ! Bien-être moderne, mais oui, mais oui, mais oui. Bitch ! Alors, technique. Oh la vache, je suis obligé de les prendre toutes à l'unité comme ça et de les tourner, quoi. Mais please ! Please, please. Très bien. Petit détail, regardez un petit peu, on va lui mettre une barrière. Une barrière à côté de lui. Ah putain non, l'unité s'il te plaît. Unité. Unité, remplacée par des clôtures. Non, je veux juste l'unité. Voilà. Ah, je peux pas faire autrement que ça. Parce que si je fais ça, il va remplacer. Et donc les gens, ils vont voir à travers. C'est pas ce que je veux. T'imagines un peu l'angoisse, t'es en train de chier. T'as ton pote qui te fait coucou. Eh, salut Roger! Eh, salut! Non, ce n'est pas ça, je voudrais le placer là, mais il ne veut pas le placer là! Oh, tristitude, tristitude. Bon, on va placer ça, moi là, et puis on va essayer de placer les toilettes, et puis voilà. Enfin, genre, c'est pour handicapés, tu sais, avec la barre pour se maintenir, tout ça. Voilà! C'est piètre, mais c'est pas grave. Ce truc-là, je peux évidemment pas le mettre ailleurs parce que ce serait trop facile, mais du coup, je peux pas mettre d'évier non plus. C'est chiant. Ah, blablabla. Évier. Alors, on va repartir sur des trucs comme ça uniquement parce que c'est... Ouais. Voilà. Parce que c'est plus pratique. Évidemment, je peux pas en mettre là parce que sinon, ce serait trop simple. Voilà. Donc, on va faire autrement. Alors voyons voir, celui-là je vais le supprimer. Cette pièce je pense qu'on va légèrement redessiner. Il faut qu'on ait quand même... C'est tristitude là, tristitude. Alors, salut Joujou. Quoi, trouve-toi pour que handicapé puisse faire demi-tour? Rien du tout, qu'est-ce qu'il connaît en handicapé toi? C'est peut-être pas une question à poser d'ailleurs. Sur ce, je vous laisse méditer sur cette magnifique blague. Comme prévu, on se fait la deuxième et dernière pause de 5 minutes. Wow, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5! 5 minutes, on se retrouve juste après pour le reste de cet aménagement. Et si possible, le partage, histoire que vous puissiez aussi retrouver ça dans les Sims 4 si jamais vous avez ce jeu. A tout de suite.
Et salut! Salut! On est de retour pour environ un peu plus de 10 minutes pour terminer ça. Alors, sur conseil de gens très avisés, alors c'est très chiant cette vue, mais en gros, on a juste repoussé les trucs avec trois portes. Du coup, ça nous laisse plus de place pour mettre la porte ici. Donc, du coup, on a bien un petit lavabo ici. Alors, c'est très distingué, ça manque de lumière. Donc, on va juste claquer de la lumière spéciale chiotte. Lumière spéciale chiotte, un truc. Limite, on reprend le. Ah, oh, ouais, les boules à la con comme ça, là, ça fait bien toilette. Ça, c'est vraiment les chiottes de base, quoi. En mode, t'y vas, because you have to deal with shit. En mauvais jeu de mots. Là, on va remettre les trucs pour faire genre, c'est un peu Valérie D'Amido qui est passée par là. Ah là là, ça a l'air tellement design tout ceci. On va remettre un truc Nasbrock, ici pour les handicapés. Voilà. Et donc là, dans cette magnifique salle de bain, on va remettre ce truc en mode Valérie D'Amido est passée par là. Elle nous a mis des petits luminaires de chez Castoche, hein, voilà. Le miroir, on remet un gros truc parce que voilà, quand je prends mon bain, j'ai envie de voir mon pénis dans toute sa longueur, dans toute sa splendeur, comme ça, sur un panneau panoramique, pour le voir sous tous les angles. On est bien, on est bien. On est très très bien, oui, même, voilà. Les lits, on va vite les faire. On va se réserver juste quelques minutes pour essayer de torcher des lits de manière assez générique cette fois-ci. On ne va pas les assigner à chacun. Et de cette manière, on va pouvoir enchaîner sur... Alors, est-ce qu'on fait le lit de la princesse en mode qui coûte une blinde? Ah ouais, non, voilà, j'ai plus de fric, je pourrais pas. Système de lit double discrétion. Un bruit minime, votre moitié va adorer ce lit. Renforce l'odrinite. Énergie, zion, soin du stress, inconfort. Ouais, bon, la lit, ça c'est une putain de tuerie. Mais en même temps, tu t'y mets le prix, quoi. Là... Et un peu basicos, mais voilà, ce sera largement suffisant pour imaginer des gros porcas de geeks en train de s'élargir les trous. En train de se rentrer les poils, en train de se... Voilà, on va arrêter un peu les images, vous avez l'idée. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, je pense. On va leur laisser leur table de chevet avec le petit dispenser à mouchoir et à lubrifiant, bien sûr. Alors, je crois que ça existe en version rose quand même, hein, pour garder ça pour Dap. Voilà, Dap, il va avoir quand même son lit de Love Machine. Très bien, avec le petit dispenser à côté. Le bleu, si je me souviens bien, c'est peindé, donc on va lui remettre un bleu quand même. Oh, s'il te plaît. Un bleu pour peindé. Voilà. C'est parce que comme ça, il se prend un petit peu pour Cousteau. On a un vert pour Nemch. Parce que bon, la nature, voilà. Parce que c'est le premier à dire fuck la nature, je bouffe du gras. Voilà. Oh la vache, comme c'est un vert dégueulasse. Voilà, le mec qui kiffe la pistache et tout. C'est atroce. Très bien. Bah écoutez, on a nos lits. On a de quoi accueillir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 geeks. À condition qu'il y ait 6 couples. Alors... Ça manque de rangement dans la salle de bain, ça manque de plein de choses dans la salle de bain, là. On va pas faire trop, voilà, hein, parce que sinon on s'en sortira jamais. Putain, on peut mettre des meubles de cuisine dans la salle de bain, mais seriously, quoi. Des petits meubles comme ça pour faire genre, je pose mes produits de maquillage, voilà. On va surtout mettre un putain d'évier. Ah, y'en a déjà, hein. Bon, écoutez, ça ira très bien. On va rajouter juste un petit miroir personnel, là. Un truc basique et clean. Et celui-là, il prend toute la fucking hauteur. Donc un autre truc qui est moins... S'il te plaît. Ah ! Oh là là, là là, là là, n'importe quoi, voilà, s'il te plaît. On a donc porte-serviette, j'en avais... Oh, il y a des porte-rouleaux de papier hygiénique ! Mais c'est génial ! Alors vas-y, cette fois-ci, il veut plus m'afficher, il veut plus m'enlever les portes. Alors le porte... Oh la vache, c'est vrai ça ? C'est pas une blague ? Regardez, on peut l'accrocher, mais alors à 2 mètres de hauteur. C'est-à-dire, on peut pas les mettre en bas. Il faut sauter pour dérouler son papier cul. C'est quand même assez beau gosse. J'aime beaucoup.
J'aime assez l'idée. Surtout pour les handicapés, quoi. Genre, le mec, il galère déjà. Bah écoute, mec, le papier cul, tu vas le récupérer là! À l'autre bout du monde! Non, allez, face à toi. Le mec, tu vas récupérer ton PQ face à toi. Comme ça, si t'arrives pas à te lever de ton siège roulant, de ton fauteuil roulant, eh ben c'est con, voilà! La petite serviette. Bah, il y a sûrement moyen de régler la hauteur, c'est pas possible. Je sais pas, il faut peut-être qu'il y ait les murs pour ça. Ah! Ok, les murs. Mais bon, j'aimais bien l'idée de les mettre en haut. Et c'est vraiment chiant les murs qui s'affichent pas là où j'aimerais. Hein. C'est un petit peu l'angoisse là, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et non, je vais pas changer le PQ. J'aime beaucoup la manière dont ça a été placé là. En mode complètement nimp. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. 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 Pile de linge. Ouais, faut arrêter, on n'est pas chez les manouches ici. Hein. Peignoir. Un porte-crochet pour peignoir rassurant. T'es rassuré d'avoir très bien, écoute, fais comme tu veux. Porte-serviette à la con, armoire à pharmacie, caresse bucolique. Étagère de salle de bain. Il y a vraiment des trucs un peu spé hein, dans les trucs des Sims. Point de vue non, tout ça. Écoutez, on va juste encore appliquer du blanc partout parce que c'est vraiment sinon l'angoisse. On va mettre un petit peu de carreau. Voilà, dans la salle de bain pour faire bonne mesure, il faut qu'on ait un sol, donc là on va prendre un sol un peu plus simple, et on va tout de suite essayer de faire l'export, parce que sinon on n'arrivera jamais à faire ça à temps. Alors, on va volontairement faire un truc, s'il te plaît. Ah, c'est juste histoire d'avoir un truc un peu uniforme. Il faudra que je rajoute encore des lumières, donc je pense que je vais claquer ces lumières un petit peu partout. Dans les lits, hop, dans les chambres plutôt, dans les chambres, ce ne sont pas des lits. Donc c'est super basique hein, ce qu'on a fait, c'est vraiment du basico smoothos. Là ça mérite d'avoir une statue dégueulasse par contre, là j'y tiens. Décoration, sculpture, qu'est-ce qu'on peut mettre en statue moche? Un bateau, un galion. Non, c'est pas assez grand. Une statue à la con. Bob le majordome. Voilà! Bob le majordome. Un truc qui n'a rien à foutre là. Si seulement on pouvait mettre dans l'assiette un truc à la con. Genre... Ah non. Un plot à métal. Attends, mais le pot de fleurs à métal. Oh la vache, mais dans un truc de lait. Oh, mais les gars, mais non, t'es sérieux. C'est tellement hideux. Ouais, tu peux pas... Ah si, on peut lui mettre un truc dessus là. Seriously? Attends, on va lui mettre quoi? Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Une voiture. Mettre une petite voiture. Tiens, voilà une petite voiture. Non, c'est de la merde. C'est une idée avec une poule moche. Un nain de jardin. Voilà. Un nain de jardin heureux. Voilà. Ah, tu fais quoi dans ta maison? Bah voilà, je... Très bien. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. On va faire une petite save, d'ailleurs. Et cette partie-là, on va donc essayer de la mettre à disposition via le système de partage Electronic Arts, qui est un petit peu spécial. Alors, ta-da-da-da-da-da-da... Un architecte là-dedans, mais rien du tout, arrête donc. Toi-même, tu sais. Alors, déjà, première chose, comment est-ce qu'on fait des screenshots là-dessus? Aucune fucking idée. Commande de la caméra, je... Alors, si on pouvait prendre une photo de ça, ce serait quand même assez la sauce. Est-ce que quelqu'un connaît le raccourci? Option du jeu, je sais, pour avoir les touches. Commande. Aucune idée. Si vous savez comment faire pour capturer une... grande déjà, qui... ouais si tu veux, mais ça c'est vidéo, je m'en bats, je veux capturer une image. Est-ce que quelqu'un sait comment faire? On va à droite dans le moment de construction. Massu, machin, je suis désolé, je cherche information du terrain, sauvegarder dans la bibliothèque, déplacer la maison. Il y a plein de trucs, mais il n'y a pas ce que je veux, quoi. Bon. En tout cas, on a quasiment tout. Comme dit, le truc de Monsieur Esclave devrait disparaître, mais là, pour des questions de temps, on va déjà essayer de sauvegarder ça.
sauvegarder le terrain. On va appeler ça, alors évidemment je peux... Ah voilà! Voilà qui est mieux. Donc ça c'est la gaming room. Et on a l'étage du dessus qui est comme ça. Premier étage, voilà! On va appeler ça... Gamingroom.tv. Très bien, information, valeur. Combien il y a de leads? Il y en a 6. Combien il y a de chiottes? Il y en a 3, 4, 5 minimum. Description. Les locaux de Lager TV, enfin, pour vous. Oui, toi là au fond qui ose rien dire. Commentaire, voilà, alors. On est bon, ça s'est sauvegardé dans ma bibliothèque et ça sera partagé le terrain dans la galerie. Alors je vais déjà sauvegarder dans la bibliothèque et on va le partager dans la galerie. Hop. Alors vous avez sauvegardé, voir les détails de l'élément. Et on va le loader dans la galerie. Donc voilà, vous pouvez désormais utiliser la gaming room. Très bien. Il me semble que dans... Alors, je suis désolé, j'arrive vraiment pas à voir autrement les trucs. Il me semble qu'on peut aussi, à condition de revenir sur les mondes, et on va sauvegarder, gérer les mondes, partager la team. Et c'est ce qu'on va faire. Ta-da-ta-ta-da. Il nous reste 2 minutes, oh là là, mais c'est la course contre la montre. Tu as la pipette pour faire des clés dans la même barre. Je l'ai pas vu, hein. Dossier, non, le dossier c'est partage et c'est pas une capture d'écran, c'est pas exactement. Je m'en fous des astuces, je veux gestion des foyers. Et je veux voir les foyers, celui-là là. Ce foyer là, donc ça c'est mes cons. Et donc ça je vais faire la team Jeux TV vue par DuckMixer à utiliser sur le terrain Jeux TV. Hop, alors ceci. C'est pas ce que je veux juste valider ça. On ne peut pas. Ok. Parce que ça là, j'aimerais le partager en fait. Et donc, c'est pas comme ça. Emménager sur un nouveau terrain. Non, 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 non. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Dans la galerie. La galerie, je veux pas non plus. Je veux ma bibliothèque, il va y avoir gaming room. Voilà, très bien. Poulpinos par mois. Ah, bah il y a tous les gens qui sont là, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce truc-là? Créer de contenu acheté gratuit pour comme vous posez peut-être pas ta race. Ok. Il reste combien de temps? 1 minute. Bah écoutez, c'est la fin. Je vais encore voir s'il y a moyen d'uploader la famille GRTV au complet, voir s'il y a un intérêt et surtout si j'arrive à le faire. D'ici là, j'espère que ce live vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous demain, mêmes horaires, 12h40 à 14h. Ce sera peut-être pas pour du Sims 4, ce sera peut-être pour autre chose, du coup. Ce sera la surprise. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi sur la Gaming Room. Il y a plein de trucs qui se passent en ce moment sur la Gaming Room cet après-midi. Donc voilà, regardez un petit peu tout ce qu'il y a, ça nous fera plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Ciao, ciao !